Oui, bonjour. J'ai une invitation à venir là, chez Monsieur Robert. Merci. Tu as été convoqué pour la manif du 7 novembre. Oui. Donc voilà, après vous y étiez pas seul, il y avait quelqu'un avec vous pour charger les pancartes dans la voiture. Pourquoi vous aviez les pancartes? Et j'avais les pancartes parce que j'ai filmé les pancartes et pas les gens. Ah, bon d'accord. Et pourquoi vous avez chargé les pancartes dans votre voiture? Pour ne pas les laisser sur la voie publique. Il y a quelqu'un qui vous a aidé à charger les pancartes dans la voiture. Je m'en souviens pas. Ah, ça marche pas ça, je m'en souviens pas. Donc, alors, et donc à la fin, tu signes avec tout ce que tu as refusé d'accepter du logiciel. Donc le mec il raye au fur et à mesure et en face il met 5 mots. J'ai rayé 5 mots, alors que tu signes que tu as rayé 5 mots, j'ai rayé. Et donc il m'a dit vous étiez en infraction. Je dis non, c'était pas en infraction, j'étais en train de filmer. Voilà, j'étais en train de filmer. Alors, pareil dans le logiciel, je reconnais l'infraction ou je refuse l'infraction. Je dis, je suis pas en infraction. Je vois pas pourquoi vous me parlez d'infraction, j'ai pas commis d'infraction. Mais si dès le départ tu n'as rien à déclarer, que peut-être que si j'avais dit. Pourquoi tu dis je n'ai rien à chaque réponse, au bout de peut-être. 2 minutes, ils te fichent la paix, tu comprends? Ah oui, c'est pour ça. Et si tu rentres dans leur jeu voilà, je pense que ce serait beaucoup plus. Et donc, il y a un truc qui m'a dit aussi, moi j'ai trouvé ça. Parce que donc j'ai lu dans le canard que le Conseil d'État a invalidé le truc comme quoi les manifestations étaient interdites. Ouais. Vous savez, voilà. Ouais. Donc le mec m'a dit, vous êtes donc allé à une manifestation interdite puisque c'est le temps du Covid et que les manifestations sont interdites. Je lui dis, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ben oui, le Conseil d'État il me semble que. Tu vois, parce que là j'étais pas. Voilà, je lui dis, il me semble que le Conseil d'État ne dit pas ce que vous dites. Oh, je vais être obligé d'écrire ça aussi. Ben, ben voilà. Oh, mais c'est toi qui as fait du FPVR. Il pourrait se révolter aussi, l'OPJ en question, là. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des questions, ou si tu veux, à chaque fois, c'était pas bon, parce que ça rentrait pas dans la case, je dis, mais pourquoi? Pourquoi vous vous faites pas retourner à vos chefs qu'un machin comme ça, c'est mal foutu, quoi. Oh là, écrivez-le, vous. Complètement traumatisé. Non, pas du tout. Et, par contre, ça me fait chaud au cœur d'avoir vu qu'il y a plein de gens qui sont venus. Nous, non, on a chaud, on a faux. Salut, c'est ta chaud au cœur.